Bonjour et bienvenue dans ma vidéo YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai amené ma Tesla au detailing et au céramique, enfin pas moi, Florent, la personne qui l'a fait, du garage Deep Color. Alors par contre, je vais pas vous mentir, cette vidéo on l'a déjà tournée, sauf que j'ai fait une fève et je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas enregistré. C'est pas grave, Florent a été bien sympa de vouloir recommencer l'interview une semaine après pour que je puisse sortir ma vidéo et vous présenter son travail et surtout ce qu'apporte ce traitement de la peinture sur la voiture. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver son interview, vous allez retrouver aussi des extraits de la première vidéo que j'ai tournée et vous trouverez en fin de vidéo les réactions de Camille quand elle a découvert la Tesla une fois traitée. Donc on va passer à l'interview de Florent, il va vous expliquer tout ce qu'il fait dans son garage. Dans son garage, dans son atelier, hein. C'est pas un garage, pardon. Bonjour. Salut à tous, donc ouais, moi c'est Florent de Deep Color. Je suis détailleur à mes temps perdus, non, tout le temps. Et vu le travail, je pense quand même. Voilà, donc j'ai fait la voiture du coup de Cédric en traitement céramique. Je vais vous expliquer un peu les procédures et les étapes différentes pour effectuer ce genre de protection. Donc pour commencer un traitement céramique, il faut d'abord une bonne préparation. La préparation dans le detailing, en gros, c'est découpé en plusieurs étapes assez précises. Tout d'abord, on va commencer par un prélavage. Le prélavage, ça va faciliter, on va dire, le décrassage des grosses saletés sur la carrosserie. C'est une mousse qui va recouvrir toute la carrosserie entière, qui va permettre d'enlever le plus gros des saletés. Ces saletés-là qui sont susceptibles de rayer la voiture si jamais on les prend avec le gant de lavage par la suite. Donc on les enlève, on fait un prélavage qui dure à peu près 2 minutes, on laisse poser sur la voiture, on n'a toujours pas de contact avec la voiture. Et du coup, une fois qu'on a bien rincé la voiture, on va commencer à faire les premières décontaminations chimiques. Dans la décontamination chimique, on englobe la décontamination ferreuse, donc toutes les particules qui proviennent des plaquettes ici. Après, les Tesla sont vraiment assez particulières, puisque vous utilisez énormément la régénération au niveau du freinage, donc pas beaucoup de poussière de plaquettes, et ça c'est très très bien. Puis les dents sont assez propres souvent sur les Tesla. Ensuite, il y a la décontamination de tout ce qui est goudron. Donc, alors oui, parce qu'ils réalisent, mais il n'y a pas que la peinture, il y a aussi les jantes que tu traites. Oui, bien sûr, on traite voilà. Aussi les jantes. Ouais. Donc pour, je vais détailler juste après le nettoyage des jantes. Donc ça, c'est vraiment pour la carrosserie. Après, on enlève tout ce qui est goudron, donc qui se colle souvent sous les bas de caisse ou sur les côtés de la voiture, toujours avec un produit sans contact encore. Après, on va faire un premier lavage, du coup avec 2 seaux, un gant, un shampoing qui est pour la préparation au céramique. On va utiliser un shampoing assez hard pour essayer d'enlever tout ce qui est gras, traces de silicone de préparation ou de paraffine pour le camion avant la livraison de la Tesla. Après, on va, pour ma part, moi je refais une phase de mousse de prélavage pour m'aider en fait à laver le véhicule. Comme ça, une bonne glisse et on limite encore les petites rayures sur les micro-rayures ou les défauts par la suite. Là, on va faire une étape de décontamination physique, donc soit avec une gomme d'argile pour décontaminer ou un pad. Cette décontamination physique va aider à enlever tout ce qui est pollution routière et aussi tous les contaminants restants sur la carrosserie. Voilà. Quand on a terminé tout ça, on procède à un rinçage complet du véhicule et un séchage du véhicule. Pour le traitement céramique, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'humidité dans tout ce qui est petits joints, interstices entre les panneaux de carrosserie. Donc on va souffler. Juste, ça entraîne quoi s'il y a de l'humidité? S'il y a de l'humidité, ça va rallonger le temps de prise de la céramique sur le vernis, oui, ou complètement mal faire la pose, le travail. Et au lieu de durer par exemple 5 ans, on va avoir qu'un an de traitement. Donc ouais, okay. il est impératif d'avoir le moins d'humidité possible. Et après, pendant la pose de la céramique, moi j'ai un déshumidificateur exprès que je mets dans la pièce pour absorber l'humidité ambiante et pour que ça pose encore mieux. Donc ça, c'est pour tout ce qui est carrosserie. Pour les jantes, on va utiliser un nettoyant jantes qui nettoie tout ce qui est pneus et jantes jusqu'à l'intérieur avec une brosse, les arches de roue. Il faut vraiment que tout soit lavé minutieusement dans les règles de l'art avant de faire un traitement. Voilà, ça passe par là. Une fois que c'est décontaminé, lavé, séché, je rentre la voiture, je vais masquer tout ce qui n'est pas à polir, puisque avant un traitement céramique, on procède à un polissage
qui va enlever la plus grande partie, on va dire 95% des défauts. Dans le cas des Tesla, ça, qui sont neuves, livrées, ça va être des défauts en usine, ça va être des défauts de préparateur au niveau de la concession, des micro-rayures, des traces de ponçage de poussière d'usine. Voilà. Donc on procède au masquage. Le masquage, ça va être sur tout ce qui est pas désireux d'être poli. Donc ouais. Tout ce qui est noir ici, vous avez les poignées ici aussi. Et le diffuseur qui est sous la voiture au niveau du pare-choc arrière. Basiquement, vous avez voilà ça. Ici, voilà. Alors, vous offusquez pas si la voiture est pas clean, c'est normal, je vous rappelle, il me l'a rendu la semaine dernière, j'ai niqué l'interview, donc je suis revenu cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de la nettoyer entre temps. Par contre, elle est clean au niveau peinture, il n'y a aucun problème. Exactement. Une fois que c'est tout masqué, on a vraiment sécurisé la zone de travail. On passe au polissage. Pour les voitures Tesla neuves, il faut à peu près, je dirais, une grosse journée de correction complète avec un polish qui n'est pas très agressif puisque le vernis est très tendre et facile à travailler. Une fois que c'est terminé, je dégraisse complètement le véhicule. Je fais un check avec des lampes faites exprès pour regarder si tous les défauts sont bien enlevés. Et si tout est ok pour accepter le traitement céramique. Quand la voiture est dégraissée, on enlève les huiles restantes du polish ou même les petites traces de polish qui restent. Et là, on passe à la phase de protection. Donc, les meilleurs traitements céramiques actuels de ce jour, ils vont nécessiter deux couches. Une couche ça, qui est une base qui va se lier au vernis, puis un top coat qui va se lier chimiquement avec la base. Donc on procède d'abord au passage du traitement céramique. Il y a un temps de pause spécial à chaque céramique. Je l'essuie minutieusement. Il ne faut absolument pas laisser de traces de traitement céramique. Sinon, on peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Des surplus de produits, il va falloir, une fois sec, reponcer ou repolir. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Il faut attendre après, j'attends à peu près, suivant l'humidité de la pièce, suivant la chaleur, entre 4 et 6 heures pour poser la seconde couche de traitement céramique. Si on la pose par exemple 20 heures plus tard, ça ne sert à rien puisque la liaison chimique ne va pas pouvoir se faire avec le top coat. Donc vraiment entre 4 et 6 heures. Ensuite on pose le top coat, même procédé, et là on laisse au moins 12 heures de temps de séchage pour pouvoir livrer la voiture au client, que ça soit vraiment la pose soit correcte. Pendant ce temps, je fais le traitement céramique des jantes. Donc là aussi, c'est un traitement qui est un peu plus résistant aux hautes températures, qui va être différent de la céramique pour la carrosserie, mais qui est vraiment spécifique aux jantes, qui est un peu plus grasse, qui va faciliter le nettoyage des jantes. Ensuite, je fais aussi le traitement céramique de tout ce qui est vitrage. Ça va faciliter l'évacuation de l'eau quand il pleut beaucoup. On peut dire à partir de 60 km/h, on n'a plus besoin des essuie-glaces. Ça, c'est plutôt sympa. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Et les plastiques extérieurs sont traités, comme on a vu tout à l'heure en bas, sur le diffuseur arrière. Donc le plastique extérieur aussi est traité. Et après, qu'est-ce qui est possible de faire aussi ? T'avais traité les pneus aussi ? Les pneus aussi, c'est plus dans l'ordre de l'entretien courant. Voilà. Tous les 3 mois, on met un petit produit qui protège, qui rend le pneu joli comme neuf, d'aspect mat, satiné. Et ça protège à peu près pendant 3 mois. Voilà. Il est aussi possible de traiter l'intérieur avec les cuirs. Ça va faciliter l'entretien du cuir et surtout que le produit qui est utilisé, c'est vraiment adapté à ce cuir écolo des Tesla. Cuir vegan. Voilà, bien. Cuir vegan, exactement. et voilà, donc ensuite, j'espère que je n'ai pas oublié d'étapes. Non, alors si, juste, il n'a pas précisé, mais tout ce qu'il vous dit là, c'est une semaine de travail. Hein. Vous laissez la voiture lundi, vous la récupérez le vendredi. Et si vous avez de la chance, vous avez en prêt la Clio 90 chevaux diesel, c'est ça ? Ouais, magnifique Clio. V12. que vous avez vu, pour ceux qui suivent la chaîne, dans la vidéo précédente. Et si tu as de la chance, c'est la dernière fois que je la prête à un client. Ah non, attends, et franchement, là, la vidéo que j'ai fait sur la Clio, elle va être collector. Hein. Ah. Là, c'est. Oui, oui. Faut la garder pour ceux qui la veulent. Je la montrerai à ma mère du coup, parce c'était voilà. La sienne à la base. Ah ouais, c'était la sienne. Ah, c'était la sienne, la première. Donc, je suis pas sûr qu'elle va apprécier. Si. Mais bon, c'est.
On passe d'une, je rappelle, on passe d'une Tesla, une Clio, c'est, il faut se mouiller la nuque quand même avant de monter dans la voiture. Sinon, c'est hydrocution, c'est ça. Ouais, mais non. Alors par contre, comme on l'a déjà dit avec Camille, même si on a rigolé, on était bien content d'avoir une voiture de prêt parce qu'on était à pied. Donc il aurait pu nous filer une 205 qu'on l'aurait prise quand même. Hein, donc il n'y a pas de souci. C'est déjà cool que tu prêtes une voiture ça parce que c'est quand même de plus en plus rare. Ouais, moi je suppose que ça fait partie des prestations minimales. Pas chez tout le monde. Et comme j'ai de plus en plus de voitures de prestige, on va dire, j'ai décidé de prendre une voiture de location, enfin, en location pure et dure pour les clients, qui va être neuve. Ça, c'est cool. Neuve, très neuve. Voilà. Ah, on monte en gamme maintenant, chez Dicolor. On va plus avoir une Clio 3, on va peut-être avoir une Clio 5. Oui, bon, après, c'est pour une semaine, bon, ça permet à tes clients de se déplacer, et voilà quoi. Même pour le client, si c'est tout est ok, moi, dans ma tête, j'étais pas trop serein à prêter une Clio qui avait quand même pas mal de kilomètres. Et 200 000. Je voulais surtout pas que le client ait un problème avec mécanique ou quoi que ce soit. Même si elle marche très bien, si une horloge, il n'y a pas de souci. Ah oui, on n'a pas eu de problème avec elle. Nickel, hein, ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, l'entretien pour le traitement céramique, c'est assez simple, on va suivre les règles standards d'un nettoyage dans les règles de l'art, on va dire. Si on veut bien faire ça, c'est donc deux seaux. Un seau avec de l'eau claire, un seau avec un shampoing. On peut mettre un shampoing. Il faut respecter la règle du pH neutre. Pas d'acide, pas de basique. Un pH neutre avec, si possible, un shampoing fait pour l'entretien des céramiques. C'est très courant, ça existe. Voilà, vous pouvez le trouver sur internet, sur Addict Auto. Et du coup, un shampoing fait pour entretien céramique, ça va rebooster un petit peu le côté hydrophobe et ça va respecter surtout la protection qui est sur la voiture. Bien sûr, vous munir de matériel qui est en contact avec la voiture de bonne qualité, c'est vraiment primordial. Tout ce qui est gants de lavage et microfibre de séchage et microfibre aussi de finition. C'est important d'avoir de quelque chose de qualité pour éviter la création des défauts. Voilà. Ouais, okay. C'est vraiment ça qu'il faut respecter. Si on veut rebooster cette céramique une fois que la voiture est sèche, bien finie, il existe des produits à base de céramique qui ont à peu près entre 15 et 25% de céramique intégrée dedans et qui sont faits exprès pour rebooster cette céramique au fil du temps et pour l'entretenir. Voilà. Mais ça reste toujours très simple de alors. Voilà. Ok, donc ça c'est si on nettoie la maison avec ces deux seaux. Pour les gens qui vont chez les Karcher, là, l'éléphant bleu comme nous par exemple. Voilà, aux stations de lavage. Alors non, c'est pas du tout déconseillé. L'astuce à avoir, c'est de pas laisser poser le pré-lavage, la mousse qu'ils proposent, trop longtemps parce qu'on ne peut pas savoir si c'est très acide, si c'est très basique. Parce que souvent, ils font très acide pour pouvoir diluer bien les moustiques et les satés. Je vous conseille 30 secondes maximum. Ouais, tu nettoies, tu rinces direct. Vous passez la mousse, vous rincez directement quasiment. Ouais, d'accord. Généralement, avec un traitement céramique, c'est beaucoup plus facile à laver une voiture. Oui, donc on va parler des avantages aussi du traitement céramique. Donc, le plus gros avantage, facilité d'entretien. C'est très hydrophobe, les contaminants s'accrochent beaucoup moins sur la voiture. C'est facile à enlever et surtout, la voiture se salit beaucoup moins facilement. C'est résistant du pH 2 à 13, donc ça limite un peu tout ce qui est plus acide ou même lavage un peu mal fait avec des produits un peu agressifs. Ouais. Donc ça pardonne quand même pas mal. Ça rigidifie le vernis, c'est pas magique non plus, mais ça va permettre de résister à quelques frottements. Il faut penser aussi que la céramique c'est une protection, une barrière par-dessus votre vernis. Si jamais il y a une micro-rayure ou une petite frottement, c'est facile de retravailler sur la céramique et ensuite repasser un petit coup de céramique et c'est totalement visible, il n'y a pas de délimitation entre chaque passage. Voilà. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La brillance aussi qui est très augmentée. Ah oui, clairement. Voilà, ça fait comme une petite plaque de verre posée. Ben, on le voit hein, d'ailleurs sur ma voiture qui est même un petit peu sale. Mais même si elle est sale, elle brille. Pas... Oui, mais c'est impressionnant. Voilà. T'as oublié de préciser que tu travailles avec un vernis qui est spécifique à Tesla. Ah, un traitement céramique. Oui, c'est ça. Donc, je travaille aussi avec la marque IGL Coating, donc, qui est partenaire en France avec Tesla pour proposer des traitements céramiques. En Amérique, je sais aussi que cette marque est très, très connue et qui travaille souvent avec Tesla aussi. D'autant plus que cette céramique, moi, je l'apprécie, je l'utilise spécifiquement pour les Tesla parce qu'elle est très facile à poser. Elle est aussi dans l'esprit un peu... nouvelle génération, un peu écolo, puisqu'elle est sans danger pour moi surtout, sans danger de pose cancérigène. Donc, elle a été certifiée sans COV,
voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Limite, je pourrais la poser sans gants. Mais bon, je le fais quand même. Je mets des gants, non, je mets des protections respiratoires. C'est beaucoup moins agressif. C'est quand même moins agressif que ce qui se fait actuellement sur d'autres marques. Et je sais que d'expérience, c'est une céramique qui a fait ses preuves, qui est assez durable et qui fait de très bonnes performances. Donc, autant la proposer aux clients Tesla, puisque partenaire, puisque tout va bien ensemble pour les Tesla. Voilà. Alors, je reviens au lavage, parce que ça, y a un truc qui m'en vient en tête. Camille m'a souvent dit que les rouleaux, c'était déconseillé. T'en penses quoi? Alors, les rouleaux, les rouleaux, vous arrêtez complètement vos Tesla. Je vais vous l'expliquer très facilement. Ah, ouais, très bien. Très, très facilement. Un rouleau neuf, sorti d'usine, ne rayera pas. Parce que maintenant, c'est des super mousses qui ne rayent pas. C'est vrai. D'accord. Il y a une voiture qui va passer dans le rouleau. Le rouleau va prendre tout le sable, la terre. Il n'y a personne qui nettoie le rouleau derrière vous. Oui, une deuxième voiture passe derrière vous. Derrière. Oui. La voiture qui passe derrière, elle va se faire fouetter avec tout le sable et toute la terre de la voiture d'avant. Et imaginez ce processus qui se stocke sur des centaines de voitures en une semaine. Si vous passez à la fin de la semaine avec votre Tesla, Elle est poncée. C'est simple. S'il n'y a personne derrière, la machine n'a pas un auto-nettoyage du rouleau, ça ne sert à rien d'aller au rouleau. Voilà. À mon avis, enfin, je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de machines. J'ai encore jamais vu de machine avec un auto-nettoyage interne du rouleau. Généralement, ils restent à l'extérieur, ils sont bien à l'air ou à la poussière, ou il peut y avoir quelque chose qui se colle dessus, votre voiture va se faire fouetté par ça. Donc les rouleaux, c'est nada. Nada, ouais, exactement. Ah ben, mais je peux conseiller des sortes de portiques automatiques qui sont sans contact et qui ont des jets qui balayent comme ça, là, voilà. Et ça c'est bon, Oui. Alors, il faut regarder vraiment si le shampoing n'est pas trop agressif, mais vous pouvez le faire en partant en vacances, en voyage, vous n'avez pas d'autre alternative. C'est nickel, voilà. Ça fait plutôt bien le job. Ouais. Et voilà, c'est surtout pour une voiture qui est protégée. Moi, j'avais essayé sur ma voiture personnelle. Je savais que c'était un peu agressif, mais comme elle était protégée, voilà, je viens de refaire un petit peu un boost par derrière et voilà. Donc nickel. Bon, super. C'est juste pour tout ce qui est conseil d'entretien ou même savoir quel produit utiliser pour tel support, quel produit ou tel support. N'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram ou la messagerie Facebook. Je répondrai avec plaisir. Je fais partie des passionnés. Justement, toutes les coordonnées sont dans la barre des coms, hein, Deep Color. Je vous mets l'adresse, le téléphone, le Facebook, l'Insta aussi. T'as un Instagram. Ton Insta d'ailleurs? Instagram, c'est Deep Color. @DeepColor. Voilà. C'est surtout là où je vais publier le plus de contenu, on va dire quotidien, sur le travail que je suis en train de faire la semaine, et Facebook aussi, parce que maintenant ils sont liés en story. C'est les mêmes choses. Oui, oui. Et après, les posts sont beaucoup plus faciles à faire sur Instagram que sur Facebook, donc c'est là où j'alimente le plus en visuel. Non, mais Insta à ce niveau-là, ça marche mieux. Ouais. Et puis alors, allez-y sur son Insta si vous êtes fan de voitures, parce que il travaille sur des voitures de fou. Hein. Franchement, c'est à voir. Donc @DeepColor. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi et comme ça. Merci à toi surtout. Donc moi, j'ai déjà une semaine de recul sur le. Sur son travail, et que ça soit Camille ou moi, on est ultra content du taf. Donc c'est pour ça qu'après mon raté, je voulais absolument revenir l'interviewer pour que ça soit dans la vidéo, parce qu'il le mérite, et que je voulais mettre en avant son travail. Donc oui, ce que je te disais, c'était donc la céramique que j'applique sur les Tesla. C'est une céramique qui est partenaire avec Tesla France. Voilà, et aussi en Amérique, je crois, si je me trompe pas. Et donc pour tous les clients, on va dire Tesla, qui viennent faire poser un traitement céramique IGL coating, vous repartez avec un petit kit en fait de départ pour pouvoir entretenir correctement la voiture. Donc le kit est constitué donc une microfibre de bonne qualité, ça je conseille plus pour faire la finition. Ouais. Voilà. Et après il y aura le basique. Le basique, c'est-à-dire un shampoing pH neutre, voilà. Ici. Après, il y aura un nettoyant vitre. Super. Il y a aussi
Donc, tout est bien rangé dans des petits emplacements. C'est quelque chose qu'on peut mettre derrière. C'est vraiment oui, sympa. Ou quoi. Même oui, voilà. dans la sous-main. Un nettoyant, en fait, un nettoyant intérieur qui fait les cuirs. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que, en fait, c'est un. On va dire que ça s'appelle un dressing pour l'intérieur. Donc ça nettoie et ça protège avec une petite couche voilà, tout ce qui est plastique, cuir, sky, pas tout sauf l'alcantara, on va dire. Oui, oui. C'est ça. Ensuite, il y a voilà, donc, l'EcoClean Air. Ça, c'est pour, on va dire, purifier l'habitacle et enlever les odeurs un peu. Un destructeur. Mais tu le pchites, en fait ? Un destructeur d'odeurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc dedans, et les petits okay. pchites qui sont fournis avec. Et voilà, c'est vraiment. Et il y en a encore deux, donc c'est vraiment complet, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc, ça, le dash, c'est une protection pour tout ce qui est plastique intérieur. D'accord. Tableau de bord et plastique dur. Donc tu vaporises sur ta microfibre et t'appliques ? D'abord, vaporiser sur une microfibre. N'importe quelle microfibre pour l'intérieur fera l'affaire. Ouais. Et ensuite, on étale jusqu'à qu'il n'y ait plus de traces de produit. Et surtout. Celui que j'ai mis sur les pneus, ouais, le tire, ça c'est vraiment pour moi le meilleur, super, le meilleur, on va dire, dressing pneu actuel, qui est vraiment. Pourtant, je l'ai testé donc pas mal. Donc ça, tu l'offres à tous les clients qui vont venir faire leur céramique ici. Tesla seulement. Tesla. Oui, tous les clients. Oui. Non mais hey, en attendant, c'est une chaîne Tesla là, donc bon. Tous les clients Tesla, oui. Les exactement. Autres vont repartir avec madame et Tesla, oui. Voilà. Ouais, donc c'est ça, c'est un petit plus, et puis je pense que... Ah, mais c'est même super, parce qu'on a direct notre kit d'entretien. Voilà, et puis c'est des échantillons, mais après, vous pouvez tester, et si ouais. la passion naît en vous, venir me contacter pour pouvoir avoir des conseils sur d'autres produits. Et, non, mais déjà, si les produits sont bons, on va venir en racheter, et voilà. Ouais, après, bon, dans chaque marque, tous les produits ne sont pas à prendre, oui, mais évidemment. C'est une marque quand même qui est assez complète et qui a des bons produits, voilà. Ok, super, c'est cool ça. Donc voilà, et ça, cette marque, je l'ai prise spécialement pour les clients Tesla et les Tesla, puisque c'était vachement, c'est vraiment on va dire, compatible avec ces voitures, respectueux des matériaux qui sont un peu fragiles selon moi, c'est pas du vrai cuir plein de fleurs, c'est, ah bah non, c'est du cuir vegan. Voilà, donc c'est des surfaces assez délicates, donc faut faire avec des produits qui sont pas trop difficiles à utiliser et qui soient faciles pour tout le monde à appliquer. Voilà. C'est super ça. Ouais, c'est je suis ça. Content de partir avec mon petit kit déjà. Mais voilà, tiens, je te le donne. Merci. Voilà, je repars avec mon petit kit d'entretien. On va faire un petit test hydrophobe aussi, voir voilà. si ça marche bien. Vas-y, je sais pas si tu vois bien. Ouais, ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Ah ouais, bah là, rien à voir avec la peinture d'origine où l'eau, elle restait dessus et ça faisait dégueulasse direct. Voilà. Là, ça coule directement par terre. Il y a un petit coup de microfibre de séchage. Mais même, du coup, au lavage, ça va être terrible, jamais... en fait. Voilà. C'est ça que tu disais c'est avec ça. Le... Et des fois, il suffit d'une bonne pluie, pas calcaire, ni et ça, ça rince la voiture. Et ça suffit, exactement. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est top. Oh, bah, super, je suis content. Le rendu est vraiment propre. Je pense que ça va faire plaisir à Camille. Bah, on va lui amener la voiture et on va voir sa réaction. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton travail. C'est vraiment propre, c'est pro, c'est super bien fait et je suis vraiment content. C'est un grand plaisir, surtout que ces voitures, étant un petit peu un geek, j'adore tout ce qui est voiture un peu moderne avec la technologie, donc c'est top. On va bientôt en Tesla aussi. Ouais, j'espère. Bon, tu t'habitues là, pour l'instant tu fais un entre-deux avec la GTE. Mais ça va, j'ai eu le temps de tester des modèles 3, oui, ouais. des modèles X, des modèles S. Des, avec tout ce qu'on t'a amené. Des moins puissantes aux plus puissantes, et ouais, donc je préfère le modèle 3 sur les 3. Bah, je trouve que c'est le bon compromis en prix, en puissance, en perf, en encombrement. Parce que moi, j'ai eu ouais. l'occasion d'essayer la S, c'est un bateau ce truc. Ouais, elle est bien, mais ça fait bateau à côté. Et malgré la petite taille, il y a quand même un bon coffre.
Oui. Un bon coffre, avant un petit, à l'arrière un gros. Et ah bah tiens, on parle en coffre. Le chargement est plutôt facile, on va dire, il n'y a pas... C'est pas l'éclairage d'origine, merci Green Drive. Ah, c'est génial, ouais. Et ouais, mais du coup, ça éclaire super bien le coffre, parce qu'il est profond, mais du coup, il est sombre, hein, quand tu n'arrives pas à aller jusqu'au fond, c'est voilà. Ça. Bon, super. Ouais. Les gens, ça fait zizir de retrouver la Tesla, je revis. Quand je touche l'accélérateur, ça accélère. Juste ça, c'est que du bonheur. Allez, on va aller amener la voiture à Camille et on va voir sa réaction sur la céramique et sur le fait de retrouver sa voiture. On se retrouve tout de suite. Tu vas redécouvrir ta voiture ? Ouais. Bon, déjà, est-ce que tu es contente de retrouver ta voiture ? Évidemment. Alors, il a fait les jantes aussi. D'ailleurs, ça se voit. Oui. Ça se voit, il a fait les... Alors là, on voit moins parce que j'ai roulé, mais tu le vois encore un peu, il a fait les pneus. Ouais. Et alors, surtout, le truc sympa, c'est que vu qu'on est client Tesla, on a le droit à une petite attention. En fait, il travaille avec une céramique qui est spéciale Tesla. Et alors, du coup, pour tous les clients Tesla qui viennent, ils donnent une petite trousse avec tous les produits d'entretien. Ah, ça c'est cool. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire l'intérieur, la chiffonnette, l'intérieur, la carrosserie, il y a tout. Comme ça, on peut tout tester avec les produits du fabricant qui vend la céramique, et si ça nous plaît, ben voilà. C'est cool ça. Ah, justement, oui, c'est cool. Je me demandais comment il fallait l'entretenir. Eh ben c'est bien, il m'a tout expliqué, donc comme ça tu regarderas la vidéo et tu verras. Ah bah dis, alors il y a un truc qu'on sent de suite, c'est au toucher. Oui, 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 tout à fait. On sent la céramique, quoi. Rien à voir. Non. C'est doux. Et du coup, il a fait aussi les parties plastiques, les bas de caisse, les tours de roue, là. D'accord. Ah, il a vraiment bien bossé, c'est vraiment un super travail. Et est-ce qu'il y avait, il y en avait déjà des micro-rayures et tout ça, il t'en a parlé ou pas? Il y en a, par rapport aux américaines, il y en a... Beaucoup moins. Ah, parce très que... Peu. Il m'a dit qu'elles étaient super bien finies. On est d'accord. Du coup, il en a profité pour nettoyer l'intérieur aussi, qui est comme neuf. Il a fait... Après, on l'avait déjà... On ah ouais, non, le mais faire. Là, ouais, là, elle est comme neuve. C'est cool. Après, le rendu brillant, sympa. Ah ben, ça fait effet miroir, là, clairement. Ouais, elle est très belle. Oui, oui, elle est magnifique. Elle était déjà très belle, mais elle est encore plus. Encore plus belle. Bon, tu valides le résultat? Ouais, super. Super. Ben, ce qu'il faut qu'on valide maintenant à plus longue échéance, c'est la protection que ça peut apporter. Hein. Alors, on a testé, toi, tu n'étais pas au garage, mais on a testé l'effet d'éperlan, c'est impressionnant. Tu prends un verre d'eau, ça coule sur la carrosserie, toute l'eau. Donc, et déjà, toutes les saletés qu'on pouvait avoir juste avec moins. La pluie. Oui. Ah, du coup, ça sera moins un problème. Ah. Et donc, ouais, on est d'accord que la partie en verre, il a mis du déperlant aussi. Oui, hein, ouais. Oui, oui. Alors, sur les vitres, suivant comment on les entretient, ça dure entre 1 et 2 ans. D'accord. Sur la carrosserie, ça peut faire 3, 4, 5 ans, suivant l'entretien aussi. Et sur les parties plastiques, c'est 1 an. Mais bon, il y en a très peu du plastique sur la Tesla, donc au final, c'est pas... Non, mais c'est plus, effectivement, et c'est pour ça que je t'avais demandé de lui poser la question, parce que j'imagine que pour maintenir, en fait... l'état de la céramique, il doit falloir un entretien particulier, oui, un oui, produit, une cire, un machin. Alors, en fait, la céramique est faite pour durer dans le temps. Si tu l'entretiens, elle va durer un peu plus longtemps, mais surtout, si tu l'entretiens, ça réactive l'effet de la céramique, à savoir cet effet miroir. Là. Ouais. Voilà. Donc si on fait ça régulièrement et proprement, on en a pour 3-4 ans. C'est l'idée, hein? Ben oui, oui, c'était l'idée. On s'applique déjà pas mal, on s'appliquait déjà pas mal pour la maintenir propre et dans un bon état et nettoyer régulièrement, donc ça va pas changer, au contraire. Au contraire. Bon, ouais, super, c'est cool. Je suis contente. Bon, ben voilà. Encore quelque chose de sympa. C'est un plaisir. Alors juste, la dernière chose que je vous ai pas dite, c'est le prix qui nous a été facturé. Donc déjà la prise de rendez-vous a été très simple, il nous a juste demandé un acompte. Merci, un acompte, je suis fatigué. Un acompte, et le prix total c'est 1100 euros, il nous a demandé un acompte de 200 euros.
Et là, je lui ai payé les 900 euros qui restaient. Et voilà, 1100 euros pour le traitement complet de la voiture. Et vous avez compris que c'est du travail, hein, parce qu'il a tout expliqué dans la vidéo. Et c'est, il fait un pré-lavage, un lavage. Enfin, c'est vraiment très, très complet. Par contre, est-ce que c'est un tarif spécifique parce qu'on fait partie du Tesla Alors, Owner Club ou pas? C'est un tarif spécifique parce qu'on fait partie du Tesla Owner Club auquel vous pouvez adhérer aussi. Tiens, d'ailleurs, faudra qu'on fasse une vidéo un jour là-dessus, juste pour dire que ça existe. C'est un groupe de propriétaires Tesla qui... En fait, l'idée, c'est de se grouper pour obtenir des avantages pour la voiture et les payer moins cher. Mais je vous en parlerai un autre jour. Mais oui, c'était un tarif privilégié. Et pas que. Et pas que. Mais on en discutera, ouais. On pourra en parler, ouais. Voilà, bon, en tout cas, on est satisfait du travail. Ouais, super. Et on le conseille largement. Donc, Deep Color à Fonsorbe, à côté de Toulouse. Je vous mets toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.